Hey, hey, hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de Subterra. Ça faisait un petit moment que je voulais m'en refaire une potiote. Après mon échec la dernière fois. C'est souvent ça d'ailleurs, hein. Pas mal d'échecs. Et du coup, on va remettre le couvert. Donc, Subterra, c'est un jeu que je ne vais pas représenter, mais tu peux jouer de 1 à 8 joueurs. Partie d'environ à peu près une heure, ouais, une heure et demie quand tu connais pas les règles. Entre 45 minutes et une heure quand ça roule, quoi. Putain, je vois ma boîte commence à être vraiment abîmée parce que je l'ai pas mal rincé ce jeu. Et du coop, nous dirigeons des spéléologues et nous sommes tombés dans une crevasse inconnue autour de notre exploration et il faut qu'on trouve la sortie. Donc, coup de bol, la sortie est là, tout va bien, mais non, c'est pas si simple que ça. Nous avons des tuiles à explorer, à retourner en fonction de différentes actions. Et on va prendre les 6 dernières tuiles du paquet. J'en ai 7. Hop, c'est là. Je la mets là. C'est ça, c'est 6 tuiles. Les 5 dernières tuiles du paquet, pas les 6. Toi, je te mets là. Hop, on va manger ça, un petit paquet comme ça, voilà. On va mettre la tuile sortie parmi les 5. On va la mélanger. Et on va la mettre en bas de la pile. Voilà, donc ça veut dire que pour arriver à la sortie, il faut qu'on se paluche les deux piles qui sont là. Cette première pile là, et la deuxième pile qui est là. Voilà. Pour ce faire, nous avons différentes actions par tour. Nous pouvons nous découvrir, c'est-à-dire découvrir, c'est regarder un petit peu la tuile qui est à côté et en positionner une. Vous nous déplacer, donc se déplacer sur une tuile qui a été préalablement découverte, ou explorer. Explorer, c'est une action qui coûte une unité de temps. Ça permet de faire les deux, de se découvrir et se déplacer. Le problème, c'est que si jamais c'est une tuile avec une grosse connerie, ben on tombe dedans. On n'a pas d'action de découverte. Alors, on va me dire, oui, mais à ce moment-là, il suffit de faire une action de découverte, une action de déplacement pour ne pas avoir de surprise. Sauf qu'on a un timer à chaque tour. On va tirer une carte danger et la résoudre. Et quand toutes les cartes danger sont arrivées à la fin, qu'il n'y a plus qu'on tombe sur cette carte-là, la carte du temps écoulé, c'est la merde, parce que si jamais on échoue à un test de succès, eh ben notre personnage, enfin en tout cas le spellog que l'on contrôle, ben est capturé et tué par une horreur. Et ben, c'est la fin de la partie si tous les 4 spéléologues sont tués. Sachant que c'est la fin de la partie, même... Enfin, après, c'est un classement. Mais si jamais tu as 3 spéléologues qui sont tués ou abandonnés, ben, c'est la fin de la partie. Il y a le médaille d'or si tu arrives à faire sauver tout le monde. Médaille d'argent s'il n'y a qu'un spéléologue qui a abandonné. Ou médaille de bronze s'il y a 2 spéléologues d'abandonnés. Abandonné, c'est que tout le monde est sorti, sauf les spéléologues en question. Voilà. Je ne vais pas représenter toutes les actions, j'ai déjà fait plusieurs parties. Je parle parce que c'est un acquis pour tout le monde. Nos personnages vont être, comme la dernière fois finalement, le garde du corps, le grimpeur, l'éclaireur et l'ingénieur. Le garde du corps, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, il peut taper sur les horreurs lorsqu'elles sont à côté de lui, c'est une de ses actions possibles. Donc il peut repousser une horreur, c'est-à-dire qu'une horreur qui apparaît, il lui met une droite et paf, elle disparaît. Il peut également protéger ses petits copains, c'est-à-dire que sur une tuile... une tuile, on ne perd pas de points de vie, enfin les autres ne perdent pas de points de vie à cause des inondations, des gaz, des éboulements, des secousses, etc. etc. Voilà. Donc il protège. Lui, il perd des points de vie, mais pas les autres. Le grimpeur, elle a une capacité pour un temps qui permet de s'assurer, donc de placer un jeton corde sur une corniche ou une chute, gratuitement, le résultat automatique, là où les autres doivent réussir un jet de talent avec un dé, donc c'est supérieur à 4. 1, 2, 3, c'est un échec, 4, 5, 6, c'est une réussite. Donc une chance sur deux en gros. Les autres personnages doivent faire un jet de talent pour pouvoir poser la corde. Son habileté, également, elle peut passer la grimpeuse dans une tuile rétrécissement ou une tuile contenant un marqueur ébouli avec une action se déplacer. Ce qui n'est pas forcément le cas. Dès qu'il y a un éboulement, les autres spélogues doivent dégager le déboulement pour pouvoir passer. S'il y a une tuile avec un rétrécissement avec ce petit symbole-ci, c'est deux de mouvement pour rentrer dedans. Voilà.
L'éclaireur, à tout moment, elle peut placer, si jamais la tuile qu'on tire pendant son tour, ça ne lui plaît pas, elle peut la défausser et peut en mettre une autre. On doit accepter la nouvelle tuile et c'est faisable 3 fois par partie. Donc ça lui permet de, si jamais la tuile c'est une aura ou quoi que ce soit, quand c'est son tour de jeu, on peut la dégager. Ou alors si on est près de la sortie, ça peut nous permettre d'épurer, enfin près de la du fin de la pile, d'épurer les cartes de tuiles qui restent pour trouver la sortie plus facilement. Elle est furtive. Elle ne peut pas être dessinée comme victime potentielle d'une horreur, et être sur la même tuile qu'une horreur ne lui fait pas perdre de points de vie, c'est-à-dire que les horreurs, elles, ne lui font rien. Et enfin, l'ingénieur, qui a une action de démolition pour 2 temps, une action de démolition, ça lui permet de jeter un explosif, et ce faisant de faire un trou dans une cloison, s'il a envie. Également, le problème c'est qu'en faisant son explosif là, ça provoque un éboulement, donc faut faire gaffe. Faut faire gaffe, et ce faisant, c'est un éboulement classique, quoi. Elle est prudente, les éboulements ne lui font perdre qu'un point de vie au lieu de 3 points de vie, parce qu'un éboulement, quand un éboulement se produit, malheureusement, les cartes danger sont où ? Carte danger, voilà, un éboulement c'est là, un éboulement c'est 3 points de vie de perdu. Ça veut dire que, tout le monde perd 3 points de vie, donc si toi tu prends un éboulement, t'es fini pour toi, t'es sonné, toi tu perds qu'un point de vie, donc on s'en sort plutôt pas mal. Ok, alors, on va donc débuter la partie, le garde du corps et le joueur 1, c'est parti, qu'est-ce qu'il va faire? Donc le garde du corps, pour l'instant, on est au centre de notre caverne, on a 4 issues possibles, donc il va faire une action d'exploration. Donc c'est qu'il va découvrir se déplacer sur la première tuile de mon tas. Je vais la mettre ici. Alors je ne sais plus, attendez, juste une petite règle. Je ne sais plus s'il faut que je choisisse où je la mets et après je reçois la tuile, ou alors je fais l'inverse. Choisissez le côté d'une tuile sur laquelle vous allez placer la tuile dessus, oui. Ok, donc il faut d'abord choisir le côté d'une tuile sur laquelle se trouve votre spéléologue avant de tourner la tuile, d'accord. Donc tu ne veux pas tourner la tuile et après choisir, j'ai eu un doute. Donc c'est parti, donc on va partir de ce côté-là. Avec celle-là, on va faire une exploration, c'est-à-dire que je vais découvrir et me déplacer. Alors, on commence déjà par du gaz. Donc, je vais partir par le bas. Alors, je n'ai pas envie de rester là, parce que si du gaz apparaît, le gaz, ça m'inflige 2 points de dégâts. Donc c'est pas très 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 cool, donc on va plutôt faire, pour sa deuxième action, faire une nouvelle exploration. Découvrir, se déplacer, on va descendre. Un éboulement, je vais le mettre dans ce sens-là. Bon, il est sur un éboulement, si un éboulement se produit, lui il peut amortir le déboulement, il a 5 points de vie, c'est encore gérable. Ouais. Bon, est-ce que j'ai envie qu'il se dépasse, notre ami, pour gagner une action? Pas forcément. On va faire partir, donc maintenant, joueur numéro 2, c'était le garde du corps, le grimpeur, donc violet, le grimpeur, il va partir avec le garde du corps par là. Donc il va faire déjà une action de se déplacer. Alors, c'est... Ouais, voilà, il fallait peut-être rester là, il va peut-être regarder ce qu'il y a autour, là. Il va, le grimpeur, elle va découvrir ce qu'il y a là. Donc elle découvre une case avec éboulement, donc elle n'y va pas, elle ne fait que se découvrir, donc je vais la mettre dans ce sens-là, on va partir comme ça. Elle va découvrir ce qu'elle a aussi, donc elle ne bouge pas, mais elle regarde la tuile qui est ici. Une tuile de gaz, je vais la mettre, alors si je la mets comme ça, ça n'a pas grand intérêt, je vais la mettre du coup comme ça. Fin du tour de l'éclairant, de la grimpeuse, on passe à l'éclaireur, le meeple noir. Alors elle, par contre, elle est partie, elle va partir en exploration tout de suite, elle va faire une exploration ici. Ah, malheureusement l'exploration, pas de bol, c'est une zone endommagée. Alors la zone endommagée, quand je rentre dedans, il faut que je fasse un test à accidenter, un G. Et si jamais c'est un échec, je perds un point de vie. Je fais un 4, donc je ne perds pas de point de vie. Ma deuxième action va être également de faire une nouvelle action de découverte, d'exploration, pardon, découvrir et me déplacer avec elle. Donc je vais aller ici, là, je vais partir par là. Oh, c'est une case d'horreur. Alors,
En soi, c'est pas forcément gênant, parce qu'elle ne peut pas être prise pour cible par les horreurs. Donc même si elle est là, l'horreur, même si elle se pointe là, l'horreur va aller là-bas. Mais il faut quand même se dégager de là, parce que, de toute façon, en passant, elle risque de perdre un point de vie en revenant. Donc ça va être complicado. Alors, on va mettre l'ingénieur. C'est à l'ingénieur de jouer maintenant. L'ingénieur, il va se déplacer d'une case par ici. Première action. Et deuxième action, il va aller faire une action de découverte. Il va voir ce qui se cache là. Une zone inondable. Pas trop gênant pour l'instant. Est-ce que j'ai envie qu'il se surpasse pour faire une action en plus? Non. On va rester comme ça. Phase des horreurs, il n'y a pas d'horreur qui se déplace, donc il n'y a pas d'horreur en jour qu'elle ne se déplace pas de souci. Maintenant, on fait la phase de danger, donc on va tirer une carte danger et la résoudre. C'est une horreur qui pointe. Alors, une horreur, il n'y en a qu'une seule ici, et elle se pointe là. Donc, on vérifie que l'horreur n'est pas à moins de 7 de distance d'un de mes personnages, sinon, elle apparaît et elle disparaît automatiquement. Enfin, elle n'apparaît pas, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, une phase d'horreur. Attendez, horreur... Non, c'est juste que c'est après, c'est quand elle se déplace qu'il y a cette notion de 7 cases de distance, donc l'horreur elle apparaît bien, mais c'est au tour d'après quand elle va devoir se déplacer dans la phase des horreurs en fait, qu'elle est enlevée de la caverne. Donc là pour l'instant elle reste là. Bon. Donc c'est la phase d'horreur, on a donc fini notre tour, et nous passons au prochain. Donc le joueur 1 devient le grimpeur qui est ici. Alors, deux possibilités. Soit je fais revenir le garde du corps ici pour taper sur l'horreur là, parce que du coup il peut faire une action de courir pour deux temps. Il a fait 1, 2, 3, il arrive ici. Et en se surpassant, en faisant une action de. En gagnant un temps d'action, en lançant un dé, il peut du coup après taper cette horreur là. Peut-être faire ça, peut-être gérer cette horreur là. En tant que grimpeur, il est là, il va passer par le gaz, il va faire une action, il va faire une action de découverte ici, d'exploration, pardon. Il prend une carte, on la retourne. C'est un éboulement. Le grimpeur est en phase d'éboulement, c'est pas très cool. J'ai envie qu'elle mette le paquet, qu'elle se surpasse, mette le paquet, j'ai des restants de Blood Bowl qui restent, hein, c'est fou quoi. Qu'elle se surpasse pour aller découvrir ce qu'il y a ici. Donc, surpasser, lance l'un dé, je fais un 6, c'est bon, je perds pas de points de vie, donc du coup, je vois ce qu'il y a là. Une zone sûre. Parfait. Mon éclaireuse qui est ici. Alors l'éclaireuse, il faut qu'elle se barre de là, parce que de toute façon, là, elle ne sert pas à grand-chose. Donc elle va faire une action de courir pour aller rejoindre la grimpeuse qui est là. Donc elle va faire 1, 2, 3. Ça, c'est l'action de courir. Ça fait 3 cases. Mais je suis passé par là, donc je vais lancer un dé pour voir si je perds un point de vie. Je fais un 1. Effectivement, ma grimpeuse, mon éclaireuse perd un point de vie. Autour de mon ingénieur, qui est là-bas. L'ingénieur, lui, il peut aller découvrir ce qu'il y a ici. C'est une zone sûre. Alors, j'ai envie de la mettre comme ça. Non, au pire, je ferai un trou ici pour faire un raccourci. Et je refais une autre action d'exploration pardon, pour aller ici. C'est un éboulement, je vais le mettre vers le bas. Voilà. Bon, l'éboulement, elle ne le craint pas forcément, elle ne perd qu'un point de vie. S'il y a un éboulement, ça se gère. Et maintenant, c'est au tour de mon garde du corps de jouer. Donc, le garde du corps va faire une action de courir. Donc courir, c'est se déplacer de 3 cases. Ça coûte 2 de temps. Donc il fait 1, 2, 3. Il arrive ici sur cette zone-là. Donc il rentre dedans. Donc il lance un dé voir s'il perd un point de vie. Effectivement, il perd un point de vie. Et il va se surpasser. Pour gagner... se dépasser, pardon. Pour gagner un temps. Donc pour ce faire, je lance un dé. Je ne perds pas de point de vie. Voilà. Même si j'avais perdu un point de vie, j'aurais pu gagner mon temps. Et j'ai utilisé mon action de repousser, l'action spécifique liée au garde du corps, qui lui permet pour une action d'éliminer une horreur située sur une tuile adjacente. Donc du coup, hop, cette horreur-là disparaît. Voilà. Tout le monde a joué, c'est la fin du tour. Phase d'horreur, il n'y a plus en jeu, donc tout va bien. Phase de danger, on tire une carte et on la résout. C'est un éboulement. Alors, un éboulement, qui c'est qui craint? C'est là-bas, là, toi, donc, on va voir. Hop là, j'ai shooté dans l'éclaireuse, un éboulement en 1.
Alors, un éboulement 1, un éboulement se produit ici. Là, il faut faire 2, 4, 2, 5, 4, 6, et là, c'était 1, 4. Ok, donc maintenant, on va passer par là. Il n'y a que la grimpeuse qui peut y passer sans souci. Les autres, sinon, ils doivent dégager avec leurs mains pour utiliser une action. C'est une action avancée, là. Action de danger. Tic, 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 tic. Dégager un éboulis, voilà. Ça coûte 2 actions pour dégager un éboulis. Voilà. Et on attaque un nouveau tour. Donc maintenant, c'est à l'éclaireuse de jouer. Alors, mon éclaireuse, elle est en bas. Donc elle part avec son amie la grimpeuse. Elles vont descendre, elles peuvent voir un peu ce qui se passe. Donc l'éclaireuse va découvrir ce qu'il y a là. Va explorer ce qu'il y a là, pardon, faire une action d'exploration. Là. Donc elle va découvrir se déplacer. Donc elle est là. Et là, on trouve quoi? On trouve un goulot d'étranglement. Donc c'est la seule façon de rentrer, enfin, autre pour la grimpeuse, c'est la seule façon de rentrer dans un goulot d'étranglement pour un mouvement, pour une action. Voilà, sinon il faut que tu claques 2 actions pour rentrer dedans. Mais là, vu qu'elle a fait une action d'exploration, elle rentre dedans comme ça. Et elle va faire de nouveau une action d'exploration pour descendre ici. Encore une zone sûre. Oula, on a une belle ligne droite là. Ouais. Donc il va peut-être que je pousse un petit peu le plateau de jeu vers le bas, vers le haut, là, un petit peu, là, voilà. Quitte à le redescendre après. Alors, il y a plusieurs écoles, il y a des personnes qui disent que bah, quand tu peux plus passer ta tuile en bas de ton tapis de jeu, bah, tu peux plus, tu la places ailleurs, voilà. Moi, j'essaie de bouger un petit peu, déjà, parce que c'est plus facile par rapport à la caméra, mais bon. L'éclaireuse a fait ses 2 actions, c'est au tour de l'ingénieur qui est là-bas. L'ingénieur, ben, il va continuer pareil, à découvrir un peu ce qu'il y a là. Il va explorer. Donc il va explorer ce qu'il y a ici. Il tombe sur une conduite de gaz, enfin une zone avec du gaz. Et il va de nouveau explorer, voir ce qu'il y a là. On va faire une jonction ici. On peut. Alors. Est-ce que j'ai envie de faire une jonction ici? Je pense que oui, comme ça. Voilà. Ça me permet de faire un petit virage là, voilà, que tout le monde après puisse revenir. Parce que là, pour l'instant, eux, ils s'en vont par là, ils n'ont pas trop de possibilités de retour. Là, on arrive à tourner là-dedans. Et je veux pas que mon ingénieur et mon garde du corps soient trop éloignés. J'aimerais quand même qu'ils se déplacent en groupe, tout le monde. Donc peut-être qu'à un moment donné, ils vont peut-être passer par là, en parallèle d'ici, c'est de trouver un moyen parallèle de descendre, et que mon ingénieur fera peut-être un trou dans les murs pour récupérer les petits copains. Le garde du corps, qu'est-ce qu'il fait? Alors, le garde du corps. Et bien, le garde du corps, alors, il est là. Donc, soit il monte là-haut pour explorer là-haut, mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Soit il descend rejoindre les petits copains, mais ça laisse l'ingénieur tout seul. Donc, je préfère qu'il reste avec son ami l'ingénieur. Donc, de toute façon, il faut qu'il aille ouvrir les éboulements ici. Donc, le garde du corps, pour l'instant, il n'y a pas pour faire grand-chose. Parce que là, il faudrait dégager cet éboulement-là, mais il n'a pas assez d'action, il a pas assez de temps d'action. Il va faire un mouvement pour aller là. C'est tout, parce que du coup, s'il fait un autre mouvement, il arrive là, mais là, il faut 2 mouvements pour dégager ça. Et puis, il reste sur une zone où il y a du gaz, donc il risque de prendre un point de dégâts. Donc, je reste là. Par contre, ce qu'il va tenter de faire, c'est il va tenter de se dépasser pour gagner un temps. Parce qu'il lui reste un temps, il a fait qu'un mouvement de là à là, il lui reste un temps, donc j'essaie de me dépasser. Pour me soigner. J'ai fait un 4, donc j'ai réussi à me dépasser sans perdre de points de vie, et du coup ça permet de me soigner, donc le point de vie que j'ai perdu tout à l'heure, je le récupère. Voilà. Et c'est à la grimpeuse de jouer. La grimpeuse, elle va faire une action de courir, pour 2. Elle va faire 1, 2, voilà. Et elle va faire une action de... Elle va se dépasser pour faire un découvrir, voir juste ce qu'il y a. Ici, elle va pas aller plus loin, elle va juste voir ce qu'il y a. Donc elle perd pas de points de vie parce que je viens de faire 5. Et elle va voir la tuile qui est ici. Conduite de gaz, donc je vais la mettre dans ce sens-là, en espérant que ça arrive à que cette caverne rejoigne un petit peu le côté ici. C'est la fin du tour, tout le monde a joué. On arrive à la phase des horreurs, pas d'horreur en jeu, donc on tire une carte et on voit ce qui se passe. C'est une inondation, donc ça veut dire que toutes les tuiles avec de l'eau sont inondées. Voilà. C'est la seule. Donc ça veut dire quoi? Si jamais on est sur une tuile avec une inondation, ben, on perd un point de vie quand l'inondation se passe. Et après, du coup, les tuiles inondées, voilà, pour nager dedans, pour passer dedans.
Pour passer dedans, mince. Où est le... Tu veux caverne? Il n'y a pas le... Attends. Ah, c'est dans les actions, peut-être. Nager, voilà. Ça. Nager, ça coûte deux temps d'action pour passer une tuile inondée. Voilà. Donc pour aller là-bas, les gens, ils vont devoir tous... Sauf il y a l'homme grenouille là qui permet lui de nager gratuitement et puis en plus il a une espèce de téléportation l'homme grenouille qui se permet une action qui permet de se téléporter d'un point inondé à un autre point inondé. Voilà. C'est la fin du tour. Nous allons passer au tour suivant. L'éclaireur passe le premier joueur à l'ingénieur. Donc l'ingénieur est là. Alors l'ingénieur. Eh ben il va pas se poser de questions l'ingénieur. Il va dégager l'éboulement qui est ici. Pour deux actions, il déboule, voilà. Hop, ça fait deux actions. Et est-ce qu'il a envie d'aller là? Non, il va rester là. C'est au tour du garde du corps de jouer. Le garde du corps, il va courir, il fait un, il va aller là pour deux actions. Et il va se dépasser pour obtenir une action d'exploration en plus pour arriver là. Donc, il fait trois, il perd un point de vie. Et il va explorer ce qu'il y a là. Et là, c'est une catastrophe, c'est une case horreur. Donc lui il est sur une case horreur, donc le problème c'est que si l'horreur se pointe là, et ben lui il va se retrouver sonné. Il n'a pas d'autre moyen parce que j'ai fait mes deux actions, mes deux temps pour arriver là, mon action de découverte pour me mettre là, et là c'est un petit peu compliqué. La grimpeuse, ben, elle continue son petit bout de chemin, elle est là avec sa copine, hein, la grimpeuse elle va faire une action pour aller là, une autre action de découverte. D'exploration, pardon. Elle va regarder ce qu'elle a et avancer. C'est un éboulement. On va avancer comme ça. Donc déjà, le petit passage que je voulais rejoindre ici, bah déjà, c'est compliqué. Hop. L'éclaireuse qui est ici va courir, faire un, deux d'action. Il faut pas qu'elle aille sur l'éboulement, parce que c'est compliqué. Donc elle va faire une action pour se surpasser. Elle fait un 5, c'est bon, elle se surpasse. Et elle va regarder ce qu'elle va... explorer, donc c'est-à-dire qu'elle va avancer, elle va découvrir et se déplacer ici. C'est l'éclaireuse, donc c'est la noire. Voilà. Voilà. Donc là on a une zone sûre ici, et on va essayer, peut-être qu'avec un peu de chance, ils vont arriver à faire une jonction avec les copains ici, voire même se rattraper là, peut-être, pour que l'ingénieur puisse faire des trous. Enfin, voilà. Sauf que là, lui, c'est une sinor qui passe, le garde du corps, il va passer un sale quart d'heure. Allez, phase d'horreur, il n'y en a pas en jeu, on fait une phase de danger. C'est du gaz qui pointe. Alors maintenant, le gaz, donc on le met en haut de la tuile, en haut du paquet de tuiles, pour se rappeler que le gaz est actif. Ça veut dire que dès qu'on va se rentrer dans une tuile de gaz ou vouloir passer dans une tuile de gaz, on va perdre 2 points de vie. Donc, le token passe au garde du corps. Alors, le problème qu'il y a ici, c'est que du tuyau de gaz, les gars, ils sont complètement encerclés par du gaz. Donc, ce qui va se passer, c'est que le garde du corps va courir ici en zone sécure à côté de l'ingénieur. Il va rester là. Pour une action, il va tenter de se dépasser. Il peut se dépasser pour essayer de soigner le point de vie qu'il a perdu. Donc, il ne perd pas de point de vie en se dépassant, ça lui permet donc de se soigner. Voilà. Alors, tant que le gaz est là, ces deux-là, ils sont bloqués ici. Lui, il ne peut pas faire de trou parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a à côté. Tu as la grimpeuse de jouet qui est ici. Alors, la grimpeuse de jouet, vu qu'il y a du gaz qui est actif, on va plutôt explorer, découvrir. Hop, action. Voilà, c'est qu'on va regarder ce qu'il y a ici. Avec cette tuile-là. C'est une inondation. Parfait, enfin, parfait. Inondable et elle va aller se mettre à côté de l'éclaireuse là en zone sûre. Voilà. Ensuite, l'éclaireuse de jouer, l'éclaireuse elle va découvrir ce qu'il y a là. Première action, une autre zone sûre, très bien. Elle va avancer de 1. Alors, non, elle va rester là. Ah, si, elle peut avancer de 1. Donc, c'est sa deuxième action et pour sa troisième action, elle va tenter de se soigner. Donc elle va se dépasser, elle perd un point de vie, bah, elle se soigne, du coup elle récupère son point de vie. Voilà. Et enfin c'est à l'ingénieur de jouer. L'ingénieur est là-bas, l'ingénieur, bah, il ne peut pas faire grand-chose, l'ingénieur, parce que s'il traverse le gaz, bah, il perd 2 points de vie. Donc l'ingénieur, bah, il ne bouge pas.
L'ingénieur, il bouge pas. L'ingénieur, il bouge pas, il bouge pas. Bon, voilà. Fin du tour. Phase des horreurs, il n'y en a pas. On va donc tirer une carte. C'est un éboulement qui se déclenche. Alors, un éboulement, en quelle zone? En zone 6. Alors, est-ce qu'il y a des zones 6? Là, j'ai un 6 ici. Et c'est là. Là, j'ai quoi? J'ai un 4, là, j'ai 2, 4, 2, 5, 4, 5. Là-bas. On ne voit pas là-haut, pardon, excusez-moi. D'accord. Là. Donc, le seul 6 est ici. Ok. Nouveau tour de jeu, c'est donc au grimpeur de jouer. Alors, il n'y a plus de gaz maintenant, par contre. Hein. Tac, le gaz a disparu. Donc, on va pouvoir jouer. La grimpeuse, c'est la violette. Elle va faire une action ici pour deux déplacements. Et une autre action de d'exploration, explorer ici. Grimpeur, là, voilà. Donc là, après, elle a plusieurs possibilités. Donc elle, bon, elle a fait ses deux actions, la grimpeuse. Donc après, je pense que l'ingénieur pourra faire un trou ici pour relier les deux zones. Mais je vais quand même essayer de voir ce qu'il y a là et là, on ne sait jamais, ça peut m'offrir des possibilités. Sinon, bah, j'irai par là. Donc la grimpeuse a fait sa première action, elle était là, la deuxième action était là, elle va se dépasser pour explorer, ce qu'il y a, pour découvrir ce qu'il y a ici. Elle va juste découvrir, elle ne va pas y aller, elle va juste découvrir. Elle perd un point de vue ce faisant. Non, c'était pas forcément justifié, mais bon, ça permet de descendre la tuile ici. Et elle tombe sur une zone d'éboulement, je vais mettre dans ce sens-là. Voilà, du coup, ça me permet de mettre une tuile ici. On n'a toujours pas attaqué la deuxième paquet de tuiles, on est sur le premier. Autour de l'éclaireuse de jouets. L'éclaireuse, alors elle est là. Elle va explorer ce qu'il y a ici, donc elle va retourner une carte et avancer. C'est une... dans ce sens-là. C'est une corniche. Donc pour aller plus loin, il faut qu'elle mette une corde. Donc c'est sa copine, l'éclaireuse, la grimpeuse qui pourra le faire automatiquement. Donc deuxième action, elle va rester là de toute façon. Et non, se soigner, j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Se soigner, c'est deux temps. Et pas un temps. Tout à l'heure, alors avec mon éclaireuse, tout à l'heure, j'ai fait une bêtise. Se soigner, c'est deux temps et pas un temps. Je sais pas ce que j'ai foutu tout à l'heure, je me suis planté, je crois. Je ne sais même plus sur quel autre personnage, j'ai dû me tromper aussi. Enfin bon, du coup, elle était là. Elle a exploré ce qui était là, donc du coup, elle a fait un temps. Donc il lui reste un temps, et elle va se dépasser pour se soigner. Parce qu'elle a perdu un point de vie. Donc, elle ne perd pas de point de vie en se dépassant, elle gagne quand même son temps, et elle se soigne dehors. Je crois que c'est tout à l'heure, c'est sur le garde du corps, j'ai dû me planter comme ça. Je crois que je regarde la vidéo, je ne me rappelle plus. Bon, l'ingénieur, alors il n'y a plus de gaz, donc les gars, ils vont pouvoir tracer. L'ingénieur, il va faire une action ici et une deuxième action d'exploration. Ok, encore du gaz. Et l'ingénieur, il va se dépasser pour faire une autre action d'exploration ici. Se dépasser, je vais te faire un 4. Et il va explorer ici une zone inondable. Alors, zone inondable, c'est moins contraignant que la zone qu'elle a. Ok. Le garde du corps maintenant va jouer. Le garde du corps il est là. Donc plusieurs possibilités pour toi mon ami. Soit on descend et on part du principe qu'on va explorer cette partie là. Soit on essaie de remonter pour aller là. On va quand même les laisser ensemble. Le problème c'est qu'en les laissant ensemble on couvre beaucoup moins de terrain. Et après disons, il faut qu'il court. Donc il va faire deux actions pour courir. Une, deux, trois, il arrive là. Et il va faire une action en se dépassant d'exploration pour retourner la tuile qui est là. Donc il perd un point de vie, il vient de faire un 3. Et on retourne à la zone qui est là. C'est une zone inondable en croisillon. Ça se gère encore. Alors du coup, là, effectivement, le terrain, la zone d'action passe par un peu par là. Donc je vais faire un petit déplacement par là-bas de tout le terrain de jeu. Je reprends juste après. Hop, et me revoilà. Du coup, j'ai tout déplacé par là, parce que de toute façon, là, tout là, c'est... Ah non, il n'y a que cette partie-là, on peut encore partir, effectivement. Mais bon, tout là, c'est verrouillé, donc je les ai rapprochés de mes fiches de personnages pour avoir le champ libre de ce côté-là, vu que l'action risque de se passer par là. Tout le monde a joué, le garde du corps est arrivé là, et c'est donc fini. Oui. Alors, on fait phase d'horreur, il n'y a pas d'horreur, on va donc tirer une nouvelle carte
danger et l'appliquer. C'est un éboulement qui se déclenche. Alors, un éboulement, en quelle zone? Bam, tiens, pensez à la garde du corps, en zone numéro 3. Alors, où sont les zones 3? Est-ce que j'en ai dans la zone 3? J'en ai pas. Là, j'ai 2, 4. 1, 4, 2, 5, 5, 4, 5, 2, 6. Et là, j'ai un 6. Donc, pas de souci. À l'éclaireuse de jeu, à l'éclaireuse. Hop, elle va aller là. Alors, l'éclaireuse, elle est en noir, elle est ici. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle attend sa copine pour passer, tenter de mettre une corde? Elle peut-être attend sa copine. C'est pas la peine qu'elle aille mettre une corde elle toute seule. Elle va faire 1, 2, elle va courir ici. Et elle n'a plus d'action. Donc ce qu'elle va faire, elle va se dépasser pour voir ce qu'il y a là. Elle ne perd pas de point de vie et ça lui permet de découvrir la tuile qui est ici. C'est une chute. Comme ça. Voilà. Donc là, il va falloir une corde là et une corde là. Bon, après on va voir comment ça se goupille ici. C'est la fin du tour de l'éclaireuse, c'est au tour de l'ingénieur. L'ingénieur, il est là. L'éclaireuse, elle a joué, était là. L'ingénieur, il est là. Alors l'ingénieur, il va faire un mouvement vers le bas. Et il va, du coup, découvrir ce qu'il y a ici. Sans y aller. Une corniche. Un éboulement. Donc je mets ici, dans ce sens-là. Voilà, comme ça, au moins, en faisant un trou à la diamite là et un trou à la diamite là, enfin voilà, ça me permet que tout le monde se retrouve. Et donc il était là, et sa troisième action, l'ingénieur va être, donc il va se dépasser pour regarder ce qu'il y a ici. 4, il ne perd pas de point de vie, et il découvre ce qu'il y a la tuile qui est là. C'est encore un éboulement. Mais au moins, du coup, les copains peuvent se retrouver. Ce qui est plutôt bien. Garde du corps à jouer, parce que là c'était l'ingénieur qui était ici, le garde du corps est là, le garde du corps il va jouer, le garde du corps il va aller regarder, il va avancer, voir ce qu'il y a là-dedans, donc il va explorer, découvrir et se déplacer. Putain, encore un truc d'éboulement. Et là on fait une deuxième fois pour monter, voir ce qu'il y a là. Encore un éboulement, poids, je vais le mettre dans ce sens-là, allez. Il était là, il a fait une action, il a fait une autre action. Est-ce que je tente? Je vais peut-être tenter de le faire se dépasser. Il perd pas point de vie. Il fait une troisième action de... Il était là, hein. Attendez, je vais faire un truc. Du coup, effectivement, je fais autre chose en même temps. Mais il a droit à une troisième action, parce qu'il s'est surpassé avec un 5, donc il peut du coup découvrir ce qu'il y a là. Il va explorer ce qu'il y a là, pardon. Et on attaque la deuxième pile de tuiles. On a fini la première, on attaque la deuxième pile de tuiles. Par contre, il nous reste plus beaucoup de cartes, enfin une petite dizaine peut-être de cartes événements ici. Mais voilà. Alors, du coup, on va voir ce qui se cache là. On va faire une action d'exploration, c'est qu'on va y aller. Hop, putain, c'est une horreur. Horreur, malheur. J'aurais pas dû faire ça. J'étais trop gourmand. J'aurais dû juste découvrir parce qu'effectivement, j'ai pas de possibilité de le faire se barrer après, quoi. Bon, mais tant pis. Hein. La grimpeuse qui est ici. La grimpeuse qui est là, elle va faire une action pour aller là. Une action pour découvrir ce qu'elle a. Elle va juste regarder. C'est une horreur. Voilà. Et une action pour revenir se cacher ici. Donc, il faut qu'elle se dépasse pour réussir sans perdre de point de vie. Elle fait un 1, la grimpeuse perd un point de vie. Elle n'a plus qu'un point de vie, attention. J'aurais dû lui mettre un cordage plutôt, mais bon. À l'éclaireuse de jouer. L'éclaireuse, ben, elle ne bouge pas, elle va rester là. Elle va juste soigner sa copine. Au prix de ses deux points d'action, elle va soigner la grimpeuse. Donc, ça coûte deux points d'action et elle soigne la grimpeuse d'un point de vie. Voilà. Et on a fini le tour. Phase des horreurs, il n'y en a pas. On génère une carte. Éboulement. Alors, éboulement. En 5. Alors, les éboulements en 5, je crois des 5, il y en a pas mal. On a un ici. Et un ici. Et un ici. Voilà. Et le joueur 1 change. Le joueur 1 arrive ici. Donc,
Alors, sachant que t'as une horreur ici, faut lui qui se barre rapidement, c'est ce qu'il va faire. L'eau, ça fait perdre qu'un point de vie. L'ingénieur commence avec deux actions, il va enlever l'éboulement qu'il y a ici pour permettre à lui de se barrer, si besoin. Voilà. C'est tout pour l'ingénieur. Il reste là, si ça sinon dit perd qu'un point. Ah, après, c'est vrai que l'ingénieur peut aller là. Si j'ai envie de le faire amener ici, je vais peut-être le faire amener ici, l'ingénieur. Il va se surpasser pour arriver là. 3, il perd un point de vie. Bon, c'est un petit peu con-con, tu vas me dire. Mais, en fait, il va là, parce que l'éboulement ne lui fait pas... Eh bien, j'ai fait un 5... Ah non, mais il a dégagé. L'éboulement ne lui fait perdre qu'un point de vie, pas tous ses points de vie à lui. Donc, et pas 3 points de vie. Donc, on est bien. On arrive au tour du garde du corps qui est là-bas. Le garde du corps, il va se déplacer de 1. Il va regarder ce qu'il y a là. Faire une option de découvrir sans y aller. Une zone sûre. Pas mal. Et il va aller ici. Au prix d'un troisième mouvement. Premier axe, première notion de temps, il est là. Deuxième, il découvre. Troisième, je vais être le dé. Il perd un point de vie par contre. Mais au moins, il est en zone sûre. Mais il n'a plus que 3 points de vie sur ses 5. La grimpeuse qui est là, la grimpeuse, elle va mettre une corde pour une action. Elle va s'assurer. C'est-à-dire qu'elle va mettre une corde ici. Voilà. Elle va se déplacer du coup de une case. Et elle va aller ici pour une nouvelle action. Donc elle va se dépasser. Elle perd un point de vie, la grimpeuse, attention. Mais ça permet surtout de mettre des cordes en fait. C'est pour ça que je fais ça. Qu'elle puisse mettre une corde ici, que sa corde elle soit là pour une action. Bon, après, allez, voilà. L'éclaireuse, elle ne sert pas à grand chose, l'éclaireuse là pour l'instant. Si elle peut faire 1, 2, elle arrive là. Et pour une action en plus, elle va voir ce qu'il y a ici. Donc elle va se dépasser. Elle va perdre un point de vie. Et elle va explorer ce qu'il y a là. C'est un cul-de-sac. Alors, le cul-de-sac, eh ben, il est comme ça. Parce que je ne veux pas le mettre comme ça, parce qu'il faut que je le mette par rapport à la tuile. Alors, attends, est-ce que j'ai envie d'utiliser sa capacité passive qui me permet de remplacer ça par autre chose? Parce que du coup, ça bloque le chemin. Oh non, je laisse ça comme ça. C'est pas très grave, ça, encore. C'est une zone sûre, c'est pas très grave. Et on a fini notre tour, on arrive à l'ingénieur. Donc, le tour est terminé. On va faire la phase d'horreur, pas d'horreur en jeu. Donc, on va tirer une carte danger. Une secousse. Ah, secousse, on lance un dé, et puis si jamais c'est un échec, on perd un point de vie, tout simplement. C'est-à-dire que là, la grimpeuse peut se retrouver fatiguée. Elle est là, au moins l'éclairose pourra venir l'aider, mais bon. Donc, le garde du corps. C'est bon. La grimpeuse, on fait dans l'ordre ici. La grimpeuse. Non, la grimpeuse, elle est secousse, et du coup, elle est fatiguée. Elle est épuisée, elle est sonnée. Donc il va falloir que quelqu'un aille l'aider. Je pense que ça va être l'éclaireuse. L'éclaireuse, du coup, elle perd pas de point de vue suite à la secousse. Et enfin l'ingénieur, il perd pas de point de vue suite à la secousse. Tout va bien. Le tour 1 arrive au garde du corps. Garde du corps, qu'est-ce qu'il fait? Il a plus que 3 points de vie. Il va faire... Action. Il va découvrir ce qu'il y a là. Il va juste regarder ce qu'il y a là. Une zone de gaz, il va regarder ce qu'il y a là, une zone sûre. Je la mets comme ça, pas d'intérêt, comme ça, pas d'intérêt, je la mets comme ça. Ok. La grimpeuse, elle est HS, elle joue plus. L'éclaireuse, elle joue. L'éclaireuse, elle va rejoindre son amie la grimpeuse, elle va faire 1, 2, 3, elle va courir de 3. Et elle va se surpasser, se dépasser pour avoir un mouvement de plus pour arriver ici. Donc, 6, elle arrive là sans perdre de points de vie pour qu'au prochain tour, elle puisse soigner son ami. L'ingénieur de jouer. L'ingénieur, il est là. L'ingénieur, il va aller explorer ce qu'il y a ici. Donc, il va avancer. Découvrir et avancer. Une zone de rétrécissement. Donc, il est dedans. Et il fait pareil ici.
une chute. C'est-à-dire que là, il est là. Et du coup, maintenant, pour arriver à remonter, il faut une corde. Ouais. Ou alors, il fait un trou là. Il pourra peut-être faire un trou ici. Et tout le monde a joué, parce qu'on a fait le tour d'ingénieur, c'est au garde du corps de jouer, tout le monde a joué. Est-ce qu'il y a des auras en jeu? La réponse est non, on va tirer une carte d'événement qui génère des inondations. Alors, inondations, soit est-ce inondable, on a une ici, et une ici. Voilà. C'est au tour de la grimpeuse d'être le premier joueur, elle ne joue pas, l'éclaireuse est là, elle va passer deux temps pour soigner de 1 la grimpeuse, voilà. Qui revient hop, ici. L'ingénieur est ici, c'est un éclairage à jouer, c'est un ingénieur qui est ici, l'ingénieur est là, bah lui tout ce qu'il peut faire, il ne peut pas faire grand chose, il va continuer à explorer en bas, en espérant que du coup peut-être que ça rejoigne par là. Donc il va faire une action d'exploration. Hop oh, putain. Alors là, donc il est là. Et sa deuxième action va être. Là, ça craint fort là. Ça craint très très fort parce que. Non. D'aller là. Il va se remettre là et il va appeler à l'aide fort, 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 fort. Parce que s'il a... Après, bon, il peut mettre une corde hein, pour monter, hein, c'est pas un souci. Le problème, c'est quand il faut qu'il réussisse un test. Ou alors, il peut faire un trou pour se barrer par là. C'est peut-être ce qu'il fera à son prochain tour. Et c'est donc autour du garde du corps de jeu, le garde-tour est là-haut. Il va faire une action par là. Il va... Regardez ce qu'il y a ici. C'est une corniche. Pour monter, il faut une corde. Il va, regarder, et il va se surpasser. Il fait un 5, il ne perd pas de point de vie. Il va regarder ce qu'il y a ici. C'est une zone accidentée. Donc, il a bien fait de ne pas y aller. Il a bien fait juste de regarder. Et on a fait tous nos tours. On retourne à la grimpeuse. On a fait un tour complet. Donc, c'est... J'arrive à avoir tout en jeu. Voilà. C'est des auras en jeu, il n'y en a pas. On va donc tirer une carte inondation. Alors, il n'y a pas de nouvelle carte inondée, donc du coup, ben, rien ne se passe. Et on change le joueur 1 qui passe à l'éclaireur. Alors, l'éclaireur, elle est là. Lui, il faut qu'il se barre. Donc, pour se barrer, l'éclaireur, elle va passer ses deux temps à soigner un autre point de vue de la grimpeuse qui est dans sa zone. Et c'est tout ce qu'elle va faire avec l'éclaireuse. Elle va rester avec l'éclaireuse. Autour de l'ingénieur qui est ici. L'ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que j'ai des personnes en zone avec des éboulements? La réponse est non. Je peux tenter de faire un trou, là, pour me barrer plus facilement. Ou alors je reste là, j'essaie de mettre une corde. Ou alors je me cache. J'ai plusieurs possibilités. Si je me cache... Après, c'est des possibilités avec des jets de... Avec des jets, quoi. Si je le rate, le jet, ben, je suis comme un gland ici, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas d'horreur. Si au tour d'après, une horreur se pointe, elle est là, j'ai deux tours pour me barrer. Donc, il faut que j'ai une solution de repli rapide. Et la solution de repli la plus rapide, c'est celle-là, c'est de faire un trou, là, pour me barrer. J'aurais bien voulu faire un trou, là, mais je peux pas. Donc, je vais faire un trou ici. Je vais utiliser un bâton de dynamite. Donc, j'en mets trois bâtons de dynamite, j'en utilise un pour faire un trou de là à là. Voilà. Pour ce faire, ça fait un éboulement, malheureusement. Et c'est un éboulement en 1, pardon. Donc, les 1, on a un 1 ici, un 1 ici. Donc, l'éboulement là, forcément. Au moins, ça lui fait une porte de repli. Et il lui reste un temps. Donc, pour un... Non, il va rester là. Il va rester là. Au garde du corps de jouer. Le garde du corps, il est là. Alors lui, le garde du corps, bah, il va... je ne sais pas ce qu'il fait. Il glande un peu, le garde du corps. Il faut que je commence à prendre des risques pour avancer, parce que le garde du corps, il va aller là, en zone accidentée. Il ne perd pas de point de vie. Il va regarder ce qu'il y a là, regarder ce qu'il y a là. Enfin, il va d'abord regarder ce qu'il y a ici. Il va découvrir, sans y aller. Zone inondable, très bien. Et il va se surpasser pour voir ce qu'il y a ici. Il ne perd pas de point de vue non plus. Et il regarde ce qu'il y a là. C'est une zone sécure. Autour de la grimpeuse qui est ici de jouer. La grimpeuse qui est là. La grimpeuse, elle, il faut qu'elle se barre.
pas d'intérêt d'aller là pour l'instant parce que on n'a pas grand chose. Là, on a plusieurs possibilités de sortie. On peut continuer à avancer par là. Ma grimpeuse, elle va faire 1, 2, 3 et elle va s'arrêter là. Voilà. Parce qu'elle est devant un éboulement, elle ne peut pas passer. Si, elle peut passer. Elle peut passer au prix d'un mouvement. Est-ce que ça vaut le coup? Elle peut entrer sur un tunnel avec un éboulement. Je vais faire ça, je vais la faire avancer d'un cran. Putain, non, c'est une connerie, bon, tant pis. Pour l'amener là. Elle peut le faire. Mais du coup, si jamais j'ai une secousse et qu'elle voilà, c'est une connerie ce que j'ai fait là. Si jamais je tire une carte secousse après là-dedans, là, et qu'elle perd un point de vie, elle est sonnée là-dedans. Donc faut que quelqu'un vienne, dégage les éboulements. Oh là, c'est de la merde ce que j'ai fait. J'ai pas pensé à ça, parce qu'elle ne mettait plus qu'un point de vie. Bon. Tant pis. Et on revient à l'éclairant. Donc on a fini notre tour complet de table. On va une phase d'horreur, il n'y a aucune horreur en jeu. On va tirer une carte, voir ce que c'est. C'est du gaz qui se pointe. Donc maintenant, toutes les tuiles, gaz, nous empoisonnent. Et on décale d'un cran. C'est à l'ingénieur de jouer. Ben, l'ingénieur va faire 1. Et pour 2, il va... attends. Les éboulements ne font pas perdre de points de vie. Donc du coup, lui, il a quand même obligé de dégager l'éboulement qu'il a là. Donc il va lancer un dé pour se dépasser, gagner une action en plus. Donc l'action en plus qu'il gagne, il s'en sert pour dégager l'éboulement qu'il a là. Et il ne perd pas de points de vie. Garde du corps, de jouer, tu es là-bas. Tu es là, garde du corps. Garde du corps, je vais te faire avancer ici pour 1. Tu vas regarder ce qu'il y a là, découvrir. C'est une chute, donc dans ce sens-là. Et il va se surpasser pour voir ce qu'il y a ici. Il ne perd pas de point de vie, il se surpasse, il voit ce qu'il y a là, c'est un virage. Alors, dans quel sens est-ce que j'ai intérêt à mettre mon virage, moi? Parce que si je le mets comme ça, ça relie à là, mais si je le mets comme ça, ça fait une autre possibilité de sortie ici. Sauf que j'ai l'impression que la sortie, non, je vais plutôt le mettre comme ça. Plutôt le mettre comme ça, en espérant que du coup, que ça parte par là, ça les... eux, ils sont trop loin du coup, là. Il faut que je les rapproche. La grimpeuse de jouer, elle est en zone éboulement, c'est pas cool. Faut qu'elle aille se foutre en zone sécure. Si elle fait un sprint, elle fait un 2, elle arrive là. Faut pas qu'elle reste en zone éboulement, elle. C'est pas bon du tout. On peut se mettre avec l'ingénieur qui est ici. Bon, l'ingénieur, il fait un trou ici, peut-être. Mais ça implique que quelqu'un est ici. Elle ne peut pas rester là. La question, c'est qu'elle ne peut pas rester là. Elle peut se mettre en zone inondable. Zone inondable ne peut pas être inondée. Donc quand elle est dessus, elle est tranquille. Bon, ma grimpeuse. Mais après, il faut qu'elle se soigne. Elle va reculer d'un cran. Elle va aller là. Je joue trop sécure, trop assez agressif là. 1, et elle va se dépasser pour essayer de se soigner. Donc, ce faisant, elle perd un point de vie, mais du coup, elle le regagne. Donc, elle se dépasse, elle se soigne. Mais ce faisant, vu qu'elle s'est dépassée, qu'elle a arrêté son jet, elle perd son point de vie. L'éclaireuse qu'elle a, mon éclaireuse, elle est là. Alors, ma petite. Toi, il faut que tu te barres de là. Tu vas faire 1, 2, 3. Tu vas arriver ici avec elle. Fin du tour. Début, parce que du coup, on revient à l'ingénieur. C'est... l'ingénieur a joué, hop, le joueur 1, c'est le garde du corps qui arrive. On fait d'abord, phase d'or, il n'y en a pas, on génère un truc, c'est une secousse, alors, ça c'est pas cool. Donc le garde du corps, dans l'ordre, il perd un point de vie. La grimpeuse, elle perd pas de point de vie. L'éclaireuse, elle perd pas de point de vie. Et enfin l'ingénieur, il perd un point de vie. Voilà, et au garde du corps de jouer. Alors il n'y a plus de gaz, ça c'est cool, j'ai... ça en exploration. Donc, le garde du corps, il va regarder ce qu'il y a là, il va découvrir ce qu'il y a là, sans y aller. C'est une zone inondable. Et après, là, il peut y aller, il tombe, c'est une chute, ça ne m'empêche pas d'y aller. Je crois que les chutes, hein, je peux tomber, mais je ne peux pas en revenir, c'est ça? Une tuile chute, il faut que je regarde ce que ça fait. J'ai un petit doute là sur la tuile chute. Rétrécissement, chute.
On peut y rentrer, mais on ne peut pas en sortir sans corde. Bon. Première action. Et deuxième action, il va essayer de se soigner, lui. Il n'a plus que deux points de vie. Donc, il va se dépasser pour essayer de se soigner. Donc, il récupère un point de vie, mais qu'il repère aussitôt. Il récupère un point pour s'être soigné. Et il le récupère aussitôt parce qu'il s'est surpassé et ça n'a pas marché. La grimpeuse qui est ici, la grimpeuse qui est là, elle va se soigner au prix de deux une action qui coûte 2. Donc, elle va faire ça. Et c'est tout ce qu'elle fait. L'éclaireuse qui est là, l'éclaireuse, elle va tracer, elle, l'éclaireuse. Pour arriver par là, donc elle va faire, l'éclaireuse, elle va faire 1, 2, 3. Parce que même si je fais une action de déplacement, je fais 1. Ah non, je peux courir, ça me permet de faire déplacer deux zones. Non, par contre, pour rentrer là-dedans, il faut deux temps. Donc, dans tous les cas, je voulais faire une action de temps, deux actions de temps, pour ça, il faut que je me surpasse. Elle perd un point de vie, l'éclaireuse. L'ingénieur qui est là, il va se soigner, parce qu'il n'a plus qu'un point de vie, l'ingénieur qui se soigne, et il est là. Et on revient au garde du corps, fin du tour, pas d'horreur en jeu, on va faire une phase d'horreur. C'est une horreur qui arrive, il y a longtemps que vous n'avez pas vu les horreurs. Du coup, l'horreur le plus proche, je pense que c'est toi. Ouais, c'est toi. Donc toi, tu commences à avoir le feu au cul, il faut te barrer. La grimpeuse qui joue maintenant. Et bien, elle va faire pareil que l'éclaireuse, elle va faire 1, 2, 3 pour entrer, mais ce faisant, il faut qu'elle fasse un test pour entrer dans la zone inondable. Et elle perd aussi un point de vie, elle fait 1. Putain, c'est la merde. L'éclaireuse, elle reste dans sa zone, là, elle va se reposer, elle va se soigner. Voilà. Et l'ingénieur, il va faire comme ses petits copains, il va faire 1, 2, 3. Il perd un point de vie. Non, cette eau-là, elle est bizarre. Hein. Tout le monde a perdu un point de vie en y allant, voilà. Et enfin, le garde du corps de jouer qui est là-bas. Le garde du corps, il faut qu'il s'active un peu, le garde du corps. Il va faire 1, 2, il va là. Et il va se surpasser pour découvrir ce qu'il y a là. Il perd pas de vie, et il découvre, c'est qu'il regarde juste la tuile qui est là. Une tuile de gaz, que je mets dans ce sens-là. Alors, je mets dans ce sens-là. Ouais. Là. On va être un peu de mettre ça comme ça. Parce que si je mets ça comme ça, ça me fait une possibilité de partir par là. Parce que si je fais ça, je me bloque là. Mais bon, avec un bâton de dynamite, on passe, quoi. Sachant qu'eux, il faut qu'ils passent par là, de toute façon. Donc je pense qu'ils vont suivre la grimpeuse pour aller ici. On va faire comme ça. Phase des horreurs. Les horreurs, c'est passe de 1. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Et on tire une nouvelle carte. Inondation. Alors, toutes les tuiles inondables sont de nouveau inondées. Enfin, qui n'ont pas une inondation sont inondées, voilà. Par contre, les tuiles où il y a déjà des gens, il ne se passe rien. Quand on regarde là, carte de danger en inondation, si jamais tu es dessus, bah, tu perds un point de vie lors de l'inondation. Je le comprends comme ça, moi. Je vais voir, attends. Inondation, voyons voir. Placer un marqueur d'inondation sur les tuiles inondables qui n'ont pas déjà un. Tous les spéléos situés sur une tuile inondée. Ah non, tous les spéléos situés sur une tuile inondée perdent un point de vie. Oh, c'est la merde. Ah, j'ai pas. Oui. Moi, pour moi, c'était le fait que ça soit inondé, que ça perde un point de vie. Mais non, en fait, c'est pas une zone sécure, ça. Là, en fait, là, ce qui se passe, c'est que la grimpeuse perd un point de vie, l'éclaireuse perd un point de vie, l'ingénieur perd un point de vie. Donc là, la grimpeuse, elle est comme ça. Et l'ingénieur, elle est comme ça. Dans ma tête, dans les parties d'avant que j'avais faites, pour moi, l'inondation, en fait, c'est les eaux qui montaient, et du coup, tu perdais qu'un point de vie si jamais tu rajoutais une tuile inondation. Tu as un marqueur inondation, pardon. Par contre, les spéléos situés sur une tuile inondée perdent un point de vie. Donc effectivement, le fait de rajouter ça inonde la tuile, mais après, c'est une tuile déjà inondée, il y a déjà le marqueur dessus, donc ils perdent quand même un point de vie. C'est la merde. Il me reste combien de cartes de danger? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes de danger. Il me reste encore plus de tuiles. C'est à l'éclaireur de jouer. Alors, qu'est-ce qu'elle fait l'éclaireur? L'éclaireur, elle va soigner l'ingénieur. Pour deux points d'action, elle va soigner l'ingénieur qui est là. Donc l'éclaireur, elle soigne l'ingénieur là. L'ingénieur se réveille. Voilà. L'ingénieur, et pour deux points d'action, il va soigner le grimpeur qui est là.
Alors, tout le monde se soigne, en fait, tout le monde arrive à se soigner entre eux. Ça, donc c'est au garde du corps de jouer. Le garde du corps, il est là, le garde du corps, il va faire une action là, et une deuxième action, il va regarder ce qu'il y a là. Il va explorer. C'est une putain de tuile. Horreur. Et il lui reste une action, je vais en faire en surpassant pour revenir en arrière ici, je me mets là. Bon, s'il y a du gaz, c'est problématique parce que lui, il est sur une tuile de gaz, mais au moins, il n'est pas sur une tuile d'horreur. Ouais. Et enfin, c'est la grimpeuse de jouer. La grimpeuse, elle est là, la grimpeuse, il faut qu'elle se barre de là. Donc, elle va faire, la grimpeuse, c'est la violette, elle va faire 1, 2, 3, elle arrive en zone sécure. Fin du tour, phase des horreurs. Elle arrive là. Et on pioche une nouvelle carte. Putain, c'est du gaz. Ça veut dire que lui, il tombe sur une tuile de gaz, il perd donc 2 points de vie, il tombe dans les pommes. Parce qu'en fait, il protège les autres, mais il ne se protège pas pour autant. Voilà. Du coup, le joueur 1 passe à l'ingénieur. L'ingénieur, donc tout le monde doit se barrer d'ici. L'ingénieur, il fait 1, 2, 3, il arrive là. Le garde du corps, il joue pas. La grimpeuse, elle est là. Elle va faire... Ah non, ça sert à rien, parce que là, c'est bloqué. La grimpeuse, elle est là. Je peux passer par là, parce qu'il y a du gaz. Quoi qu'il y ait, il faut que je passe par la tuile accidentée. J'ai pas envie, parce que j'ai plus qu'un point de vie avec la grimpeuse. La grimpeuse, elle va soigner l'ingénieur. C'est le point d'action, voilà. Pour soigner l'ingénieur, qui arrive là. Et enfin, l'éclaireur, elle est là. Pareil, elle fait 1, 2, 3, elle arrive ici, en zone sécure. Et on revient au tour de l'ingénieur, tout le monde a joué, c'est bon. Phase des horreurs, toi, tu avances par là, et on tire une nouvelle carte. Secousse, putain. Donc, la garde du corps est déjà au sol, pas la peine. La grimpeuse, elle n'a qu'un point de vie. Hop, secousse, ça la fout par terre. L'éclaireuse qui n'a qu'un point de vie. C'est bon. L'ingénieur qui a 2 points de vie, c'est bon. Et on passe le token premier joueur au garde du corps qui est là-haut, mais qui est sonné. Donc du coup, la grimpeuse, elle est sonnée, elle joue pas. L'éclaireuse, elle est là, elle va soigner la grimpeuse au prix d'un point de ses deux actions. Donc toi, hop, tu récupères un point de vie. L'ingénieur qui est là, l'ingénieur, il va aller... Il n'y a plus de gaz. Tiens, j'avais envie de lui faire un trou ici à l'ingénieur, quoi, pour repartir par le haut. Parce que là, de toute façon, on est bloqué, là. L'ingénieur, il va faire... l'ingénieur, c'est le bleu, il va faire 1. Il va faire un trou, là. Faites tout la dynamite. Par contre, pour ce faire, il doit se dépasser. Il ne perd pas de point de vie, il fait un trou, et on fait un des déboulements. Les déboulements se produisent en 3. Donc un déboulement ici, un déboulement ici. Et c'est tout. Et on revient au garde du corps. Par contre, il faut que quelqu'un aille chercher le garde du corps. Hein. Ça ne change pas le problème, ça. Phase des horreurs. Donc, je rappelle qu'on a quand même l'horreur au cul, là. Putain, si je tombe sur une carte horreur, c'est la merde. Oh, oh, c'est bien la merde. Parce que cette carte horreur, qu'est-ce qu'elle fait, la carte horreur ? Elle se déplace vers la victime potentielle. C'est que toi, tu arrives là. Et ça génère une nouvelle horreur qui arrive ici. Oh, que c'est bien la merde. Se tourner sur la même file d'horreur fait perdre tous ses points de vie. Attention. Du coup, toi, tu ne veux pas être la cible d'une horreur. Par contre, toi, tu perds un point de vie. Là, on est dans une merde stratosphérique, quoi. Et nouveau tour, la grimpeuse de jouer. Alors. Comment faire? Il faut que mon ingénieur aille secourir le garde du corps. Il n'y a pas le choix. C'est ma seule solution de me débarrasser des horreurs qui est là. Toi, t'es tranquille, tu ne veux pas être la cible des horreurs. C'est pas gênant. Par contre, toi, tant que l'horreur est là, tu ne veux pas bouger. Donc, mon garde du corps, il va faire mon... Ah putain, je ne peux pas monter, j'ai pas de corde. Il va faire 1, 2... Putain, mais... 1, 2, 3, je me mets à l'abri ici.
Je reste là. Donc je passe par la case accidentée, je dois lancer un dé. Je perds un point de vie. Putain la loose. Oh, en plus, je suis en zone inondable. Oh là, c'est inondation, je perds un point de vie. L'éclair va jouer, elle est là. Du coup, on n'était pas assez loin, putain. L'éclaireur, elle va jouer, elle va se soigner, l'éclaireur, pour deux, voilà. Je le sens pas bien, certaines parties. J'étais trop, ouais, il n'y a pas eu assez d'horreur au début, elles sont toutes à la fin maintenant. L'ingénieur, il a joué, le garde du corps a joué, la grimpeur, enfin, tout le monde a joué, donc du coup, c'est un nouveau tour. Déplacement des horreurs, donc toi, tu vas aller ici, toi, tu vas descendre là, parce que c'est là que tu vas aller, et on tire une nouvelle carte. C'est une inondation. Putain, mais décidément, hein, sérieux, hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, ça, c'est inondé. C'est-à-dire que toi, tu perds le point de vie que, ton point de vie. Voilà. Donc, le seul personnage qu'on a encore, c'est l'éclaireur qui est là. Alors, l'éclaireur, elle ne va même pas se poser de questions, elle va faire. 1, 2, 3. Putain, mais je peux pas, parce qu'il faut... Attends, est-ce que je peux soigner... Si. L'éclaireur, elle va, pour ses deux actions, soigner la grimpeuse de 1. La grimpeuse arrive là. Voilà. C'est autour de... il lui reste un mouvement, elle ne bouffe pas, l'éclaireuse. Elle ne bouffe pas. L'ingénieur, lui, ben, il est dans les choux. C'est ce qui est après l'éclaireur, c'est l'ingénieur. Le garde du corps est dans les choux. La grimpeuse qui est là, elle va se barrer, elle va faire 1, 2, elle va aller là. Et c'est tout ce qu'elle va faire parce que il ne reste plus de temps d'action, c'est pas possible. Donc on revient maintenant à l'éclaireuse et à phase des horreurs. Donc les horreurs vont se déplacer. Alors du coup la cible maintenant c'est pas toi, c'est toi. Donc toi tu vas aller là. Et toi tu es 1, 2, 3. Donc du coup on pourra te mettre ici. Comment je fais? Un nouveau tour. Ah non, on fait phase des horreurs. Oh là là là. Toi, t'arrives là. Donc, notre cocotte, là, elle est encerclée. Et il reste trois cartes. Trois cartes et j'arrive plus à enlever de tuiles. Ah, c'est la merde. Et son premier joueur arrive ici. Ingénieur. Donc, la grimpeuse. Donc, l'ingénieur ne peut pas jouer. Le garde du corps ne peut pas jouer. L'ingénieur. L'ingénieur est parti. L'ingénieur, elle est là. Ben, elle va se barrer. Hein. Elle va explorer. Elle n'a pas le choix. Voir ce qu'il y a dedans. Elle fonce. Elle fonce pour échapper aux horreurs. Une exploration, elle fait pareil, une deuxième exploration. Putain, elle se met en ce goulot d'étranglement là. C'est au tour de l'éclaireuse de jouer maintenant. L'éclaireuse, elle va aller. Mais tu veux qu'elle aille où l'éclaireuse, con? Bah, de toute façon, faut qu'elle aille là. Hein. L'éclaireuse, donc elle va faire 1, 2. Elle rentre en zone accidentée, elle perd pas de points de vie. Donc, il me reste un d'action, je ne peux rien faire avec. Je voulais l'attendre ici. Phase des horreurs. Donc, toi, ben merci d'avoir fait le trou. Hein. Toi, tu vas là. On tire une carte. Gaz. Donc, je mets mon petit token de gaz sur les tuiles pour appliquer du gaz. Voilà. Et on passe le token de l'ingénieur à garde du corps qui est là. Donc, toi, ben, tu n'as pas torti du fion. Alors, si, ce que je peux faire, c'est essayer de me cacher. Si je me cache, les horreurs, du coup, elles disparaissent parce que lui, il peut pas être pour cible et tout le monde sera hors de portée. Donc, je vais peut-être tenter de faire ça. Je vais d'abord faire une action de découvrir, voir ce qu'il y a ici. Oh putain, c'est un cul-de-sac. C'est-à-dire que la seule sortie possible pour mes petits bonhommes, c'est par là. Par là, ou... Par là ou par là. Et ma deuxième action, donc j'ai fait une première action, ma deuxième action va être de me... Pas me cacher tout de suite. Si je me cache, j'essaie de me cacher. Non, je vais avancer. Voilà. Et non, j'ai découvert ce qu'il y a là. Donc il faut que j'utilise un dé. Non, c'est bon. Je ne perds pas de point de vie. Donc je suis là. Bon, je suis dans un gros cul-de-sac. Ça, c'était la grimpeuse. L'éclaireuse, elle est là maintenant. L'éclaireuse, elle va faire 1-2 pour aller en zone inondable et attendre pour réveiller l'ingénieur.
C'est tout ce que je peux faire. Fin de mon tour. Phase des horreurs. J'ai intérêt à me cacher rapidement. Alors, l'ingénieur est par terre, non. La grimpeuse. Poum. Non, elle ne perd pas son point de vie. L'éclaireuse. Elle ne perd pas de point de vie. Ce sont les deux seuls qui sont là. C'est la merde. Franchement, c'est la merde. Il reste tout ça avant de trouver la sortie. Il n'y a plus de gaz. Le token passe à la grimpeuse qui est ici. La grimpeuse, elle va tenter de se cacher. Elle n'a pas le choix. Il faut dire deux points d'action. Là, ils sont putain de test. Les choux sont putain de test pour se cacher. Bon, elle reste là. Elle sort les fesses. Elle sort les fesses. Elle est dans un recoin. Du coup, c'était l'éclaireuse de jouer. L'éclaireuse d'acquis, c'est deux points d'action pour soigner l'ingénieur. Bon, l'ingénieur récupère un point de vie. L'ingénieur, lui, il va se déplacer ici. Il va se déplacer pour soigner le garde du corps. Alors, c'est là que c'est quand même paradoxal. Ce faisant, donc il soigne quand même le garde du corps. Le garde du corps récupère un point de vie. Et donc se redresse. Mais ce faisant, il tombe dans les pommes. Parce que il n'a pas supporté l'opération. Il va faire un son test de surpassement. C'est fini pour lui. Et c'est au garde du corps de jouer. Le garde du corps, ben, lui, il va tenter la même opération. Du coup, vu qu'il a été réveillé. Soit il va dans la zone inondable, soit il va réveiller lui. Putain. Le garde du corps, il faut qu'il trace là-bas, cela dit. 1, 2, 3. Il faut qu'il se débarrasse de ces deux trucs. 1, 2, il rentre ici. Non. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'elle est se sacrifie? De toute façon, où est-ce que je tente de sauver l'ingénieur? S'il y a un truc de gaz, les deux romeurs, s'il y a un truc de gaz. 1, 2, il sort de là. Et il va là. Ce faisant, il tombe dans les pommes. Pouk. Voilà. Parce qu'en fait, il n'avait plus qu'un point de vie. Hein, et vu qu'il s'est passé pour aller ici, il tombe dans les pommes. Fin du tour. Début tour des horreurs. On tire une carte. Oh là, oui, mais alors, vas-y, quoi, une secousse. Allez, voilà, pour être bien sûr que ce soit bien la merde. Alors, une secousse. La grimpeuse. Elle tombe dans les pommes. Il reste l'éclaireuse. Qui n'a plus qu'un point de vie. Nouveau tour de jeu. L'éclaireuse qui joue. Alors, c'est la dernière carte. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quand je vais tirer une carte dessus, je vais lancer un dé, et sur un échec, ben mes personnages disparaissent. Et puis, alors ça, ça n'a pas diminué du tout, ça. Non, l'éclaireuse, qu'est-ce qu'elle va faire? L'éclaireuse, elle va faire... 1. Elle va tenter de soigner le garde du corps. Putain, ce faisant... Ils sont tous chochottes, là, et du sang, il s'effondre, quoi. Elle arrive à le soigner, parce que deux points d'action, mais ce faisant, j'ai fait un 3 sur mon test. Hop, c'est elle qui tombe dans les pommes, maintenant. Tombe dans les pommes, et toi, t'es relevé. L'ingénieur, il est HS, le garde-corps, il est à bas. Le garde-corps, il va soigner toi pour 2. Donc, l'éclaireuse récupère un point de vie. Et ben, c'est tout, parce que la grimpeuse là-bas, il est HS. Phase des horreurs, donc du coup, ben, eux... Ils ont vu que lui n'était plus une menace, enfin n'était plus une victime potentielle, donc ils font demi-tour. Les deux. 1, 2, 3, 4, ok. Et on va tirer une carte menace. Bon ben voilà. C'est la dernière. Voilà. Donc à partir de maintenant, le temps est écoulé. À partir du moment où le temps est écoulé. À partir de ce moment, et lors de chaque phase de danger, les spélos qui ne sont pas sur une latule sortie, qu'ils soient conscients ou inconscients, doivent réussir un test de talent. En cas d'échec, ils sont dévorés par les horreurs et enlevés de la caverne. Donc à partir de ce moment, donc de maintenant, on commence à lancer les dés. Et en fonction des résultats de dés, les personnages vont être avalés par les horreurs, qu'ils soient conscients ou inconscients. Donc on va commencer par le garde du corps, qui vient de se réveiller. Il fait un 5, il reste là. Ensuite, on fait la grimpeuse, qui est là-bas. Elle fait un 6, ça reste en jeu. L'éclaireur, qui est ici, elle fait un 1, pff, elle est avalée par les ténèbres.
Les horreurs, donc à côté du garde du corps qui se demande mais où elle est passée. Et enfin l'ingénieur qui est là dans sa. Qui fait dodo dans du gaz, là, lui c'est pareil, il est avalé par les horreurs. Fini, fin du jeu. Pour lui. Du coup, le joueur 1 passe à l'ingénieur. Non, du coup, maintenant c'est le garde du corps, voilà, qui est là. Alors, garde du corps, qu'est-ce qu'il va faire? Lui il va tracer. Il va faire 1. Putain, mais s'il tombe dans les pommes, c'est une merde, sans nom. Il va faire. Non, il va rester là. Il va se soigner ici. Non. Il va faire 1. Et il va se soigner. Alors, il récupère bien son point de vue, mais il le repère juste après. Voilà. La grimpeuse qui est dans les choux. Voilà, tout se passe. Elle reste là. Les horreurs jouent. Voilà. Et. Nouvelle phase de temps écoulée, le garde du corps fait un test pour voir si le garde du corps est absorbé par les ténèbres, par les horreurs, et notre grimpeuse qui est là, elle reste là, mais c'est quand même la fin de la partie, parce que, tout simplement, elle peut pas revenir, La partie pour fin quand tous les spélos sont sur la tuile sortie ou quand il n'y a plus aucun spélo dans la caverne. Voilà, c'est que lui, il est inconscient, d'abord. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle le puisse... C'est la fin de la partie, malheureusement. Voilà. Nos spélologues ont tous été avalés par les horreurs. Aucun survivant. Tous étaient happés par la bête. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Ça a bien commencé avec une belle exploration. On était assez loin. Après, si les horreurs sont pointées. Et après, c'est comme n'importe quel jeu de dés. T'enchaînes les mauvais jeux de dés, puis c'est foutu, quoi. Après, je ne me suis pas assez fait de peur de sortie, je pense. Donc, j'ai fait beaucoup de chemins qui se croisaient les uns avec les autres pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver rapidement. Simplement, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, en faisant ça, tu n'as plus de porte de sortie. Ma seule porte de sortie, c'était là. Pour continuer à explorer. Là. Et ici. Donc, à l'opposé d'où se passe l'action. Et il me restait, regarde, la difficulté, il me restait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tuiles. Et la sortie était... Ah non, la sortie, tu es quand même bien placé la sortie. C'était vraiment la première des 6 tuiles. Donc j'aurais trouvé la sortie 2, 4, 7 tours, j'aurais trouvé la sortie. Mais bon, Là j'avais quoi là? J'avais encore une tuile horreur, j'avais... Bon, allez tant pis, c'est une défaite. Bon, notre feu sacré s'arrête là, entre tous les réussites à Xenoshift, la réussite à Kepler, là, il n'y a pas longtemps. Notre feu sacré s'arrête là pour cette pour ma réussite. Tant pis. En tout cas, je me suis bien amusé. J'ai vraiment toujours autant ce jeu. Peut-être c'est avec des personnages différents la prochaine fois. C'est que je pense tant toujours prendre les mêmes parce que je les aime bien. Garde du corps, grimpeur, éclaireur, ingénieur. Pour moi, ça reste une équipe très 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 bonne. Donc voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, en espérant que ça vous a plu. Si vous êtes Subterra, n'hésitez pas. Échangeons sur le jeu, sur le sujet. Tout avis bon à prendre, bien sûr. Si vous avez l'extension également, ça m'intéresse de savoir un peu lesquels vous préférez, parce que je n'ai aucune. Puis comme je ne sais plus, j'avais expliqué récemment les extensions par écrit ou par d'autres vidéos, je ne sais plus. Je me calme un peu sur l'achat des extensions des jeux, parce que je ne joue pas forcément à tous mes jeux de manière intensive. Et du coup, prendre des extensions, ça ne me sert pas à grand chose en fait en soi. Donc c'est pour ça que les pledges all-in sur certains Kickstarter, je ne les fais pas. D'ailleurs, je vais même lever le pied sur les Kickstarter, là, parce que là, je pense que l'année prochaine, je vais recevoir un jeu par mois. Alors ça, c'est la théorie, hein, théorie des livraisons, mais c'est un peu ça. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une nouvelle partie d'autres choses, je ne sais pas trop quoi. Je vous embrasse, salut, bye bye.